Bon matin, jour 69 de 90, et comme tu peux voir, ce matin, on travaille au sol. Si c'est trop difficile pour toi d'aller au sol sur un tapis ou une belle douillette ou ton rouleau de yoga, pourquoi pas aller sur ton lit? La plupart des exercices se font sur le lit. Sur le divan, un peu difficile parce qu'on a besoin justement de... On va travailler la stabilité. Alors, les filles, go, 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 même le dimanche, 7 h. On est là. Tous les jours, on se choisit. On se choisit. As-tu le goût de te choisir tous les matins, tous les jours pour t'améliorer? Qui n'aime pas tous les soirs dire, waouh, ma journée était fantastique. J'ai appris ça. J'ai donné ça. J'ai fait ça pour quelqu'un et je me suis donné du temps. Parce que la vie, c'est ça. C'est se donner du temps. S'améliorer, apprendre à aller au-delà d'eux, mais surtout aider quelqu'un, redonner. Et là, on a un sens, on donne un sens à notre vie. Et c'est ce que je fais tous les matins. Ah oui, petite capsule ici, c'est pour moi. Oui, 100% pour moi. Et chaque matin, je vous propose ce qui me fait plaisir. En même temps, je vous fais plaisir. Et je sais que je vous fais plaisir. Vous êtes des dizaines et des dizaines à m'écrire. Merci Geneviève. Grâce à toi, je suis motivée. Grâce à toi, je vais mieux. Grâce à toi, je me suis améliorée. Grâce à toi, j'ai éliminé 3 livres. Grâce. Alors voyez-vous, j'ai appris des heures et des heures et des heures d'entraînement pour moi. Mais maintenant, je partage. Et c'est ça la vie. Et ce matin, je vous partage ce que j'aime faire le dimanche. Le dimanche, c'est ma journée à moi, ma journée en famille. Et oui, je reçois presque tous les dimanches, presque tous les dimanches. 4 enfants de ma part, 3 enfants chez mon conjoint, les conjoints et les conjointes. Et là, bientôt, bientôt, troisième petit bébé. Alors donc, on redonne, je reçois beaucoup et j'en profite pour faire un petit 5 minutes comme ça le matin. Et ma randonnée, parce que oui, je prends soin de mon papa tous les dimanches. La douche, c'est la douche. Alors ce matin, je te montre ce que j'aime faire. Parce que oui, on gagne, hein, en vieillissant, on perd de la flexibilité, on perd de la force dans nos jambes. Eh bien, les petits exercices qu'on va faire ce matin, ça va te redonner de la force, de la flexibilité. Juste se tenir comme ça sur tes genoux. Peut-être que, oui, 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 déjà, c'est difficile. Alors, de donner hein, un signe à tes genoux, mes chers genoux, il faut vous habituer à avoir cette position. Parce que c'est possible que je veux jouer avec mes petits-enfants et je dois avoir cette position-là. Alors, en le pratiquant doucement sur un tapis, vous allez donner le signe à vos genoux, hey, recommence à te muscler, recommence à garder la flexibilité. De te relever quand tu es à genoux, parce que moi, je veux jouer. Je veux jouer avec mes petits-enfants. Alors, on va prendre une position bien droite. Les épaules sont derrière. Et là, on va amener le genou devant. Et voilà. Et on va juste basculer. Avant, arrière. Avant, arrière. Tu peux amener, je ne sais pas si tu vois bien, ton pied légèrement et tu avances. Recule. Avance. Recule. Tu peux avancer un peu plus la jambe. Recule. Avance. Recule. On balance. Oui. Le dos est super droit. On gagne de la force dans la jambe, l'arrière, les fessiers. Et on n'oublie pas de respirer. Et on y va pour 5, 4, 3, 2. Alors, tu es comme ça, tu t'en vas sur l'autre jambe. 1, 2 et 3. On balance. 4, un peu plus devant. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on s'amuse. On replace. Et là, on va une jambe, une autre jambe. Une jambe, une autre jambe. Rentre bien la bédaine, le dos est droit et on y va. Un pied. On revient, 2 pieds. C'est difficile pour les genoux, va te chercher un petit coussin. Pas de problème.
On y va. Bon matin, Marie-Paul. Bon matin, Frédéric. Bon matin, j'ai vu plein d'hommes ce matin. Hé, messieurs, bienvenue. Ouh! Et on change. Toujours bien droit. On change. Allez-y. On alterne pour 5. Pour 4. 3. 2. Et 1. Et là, on reprend notre belle position à genoux et on va prendre la position petit chien. Alors, les mains sous les épaules, les doigts bien écartés et on y va. On balance. 1. La flexibilité. Flexibilité de nos poignets, la flexibilité de nos doigts. On met une petite pression, les épaules travaillent, on avance de plus en plus, on recule de plus en plus. On avance et on recule. Avance, recule, parce qu'on va aller toucher les fessiers, talons. Et on y va encore pour 3, 2, 1. Et on vient mettre fessiers, talons, on allonge les bras. La tête au sol et on tire. Tire, tire, tire et on compte. 5, 4, 3, 2, 1 et on reprend la position petit chien. Petit changement, on frise les orteils. Friser les orteils veut dire qu'on replace, je ne sais pas si tu me vois, on voit les orteils et là, en mettant nos bras bien stables, on pousse, 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 et on remonte les fesses en l'air. Alors, je repars ma belle position, on y va, pousse, 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 et on tient. Et là, tu essaies de mettre les talons au sol, et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1, et on revient dans la position petit chien. Et là, flexibilité de notre dos. Alors, on s'en va regarder le nombril, on arrondit le dos, on regarde bien le nombril. Et là, de l'autre côté, arrondis le dos, regarde le plus haut possible avec la tête, les yeux, et on revient, on regarde le nombril. On arrondit le dos. Les bras sont tendus. Et on revient. Ah, le plus haut possible, le cou travaille, le bas du dos. Et encore une fois, regarde le nombril. 2, de l'autre côté, le plus loin. Comme tu peux voir, le dimanche, c'est pas du tout le samedi. Hein? Hier, on a sauté, sauté, sauté. Ce matin, on se donne de l'amour. Et on reprend la position. Petit chien, frise les orteils et pousse. Allez, le plus haut possible, les fessiers. Les jambes sont de plus en plus droites. Les bras sont tendus. On laisse tomber la tête entre les deux bras. On est confortable et on tient. Pour 5. 4, 3, 2, 1, et on revient position petit chien. Et là, les meilleurs abdos. On soulève le bras droit et on enligne la jambe gauche derrière. Et on tient la position pour 5, 4, 3, 2, 1, et on dépose. De l'autre côté, allonge le bras gauche, allonge la jambe droite le plus haut possible et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1, et on reprend la position petit chien. On y va de nouveau pour les petits balancements. On y va. Tu vas voir, cette fois-ci, plus facile. On a gagné de la flexibilité. Travaille bien tes poignets. Et on avance. Recule. Avance le plus loin possible. Le dos est super droit. Arrière. Encore. Encore. Et on avance et on recule le plus loin. Fessiers, talons. On avance les bras et on tient la position. La tête est au sol. On inspire. Expire. Inspire. Expire. On reprend la position petit chien. Encore une fois, bras droit, jambe gauche derrière, bien droit. Et on tient la position.
Le regard est au sol et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. De l'autre côté. Allonge le bras, allonge la jambe. On regarde au sol et 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà. Wow! Dans la simplicité ce matin, on a travaillé les épaules, on a travaillé les poignets. Donne un peu d'amour. Remets-toi sur tes genoux. Envoie-leur leur beau message que tu veux qu'ils soient forts, que hein, tu veux les utiliser jusqu'à la fin de tes jours. Alors, tu as besoin de petits muscles. Tu as besoin de bons abdos pour avoir une belle position. Le dos doit être bien fort. Genoux, haut de la jambe, tout doit être bien fort. Quand quelque chose commence à moins bien fonctionner, c'est là que les blessures arrivent. Alors, on se donne un petit peu d'amour dans les épaules. On inspire, on expire. De l'autre côté. On ramène la jambe devant. On tient la position. Prends le temps de bien respirer. Je prends le temps de dire bonjour, Mélanie. Mon Dieu Seigneur, plein d'hommes ce matin, étrange. Mesdames, vous êtes encore au lit et messieurs sont debout. Aïe, aïe, aïe. Et on change de côté. On prend le temps de respirer. Et voilà, tout simplement comme ça. Peut-être que c'est le temps du café, une petite pause, un petit peu d'écriture, un petit peu de journaling, un peu de lecture et peut-être, comme moi, ça sera la randonnée par la suite, seule, en famille, avec les petits-enfants, pourquoi pas. Et qu'est-ce que c'est une randonnée? Bien, c'est de faire un petit peu plus qu'on fait la semaine dans nos activités de tous les jours. Aller prendre de l'air, aller jouer dehors, on est chanceux, on a un mois de mars extraordinaire. Alors sur ce, je vous souhaite une superbe journée et on se revoit demain matin, 7h AM. Bye les filles!